Du 31 août jusqu'au 3 septembre, c'est le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Ça fait maintenant 15 ans que le Festival de musique émergente se déploie à Rouyn-Noranda, qu'il dépose ses couleurs et sa musique dans le paysage culturel de l'Abitibi-Témiscamingue. Au début, l'écho du festival était minuscule, à peine audible. Mais une première édition marquée par deux spectacles de Richard Desjardins, qui, par sa présence, aura nourri une partie de l'âme de l'événement tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et après ça, d'année en année, le festival a pris de l'expansion, il a grandi, il s'est affirmé, et de manière naturelle, en restant fidèle à lui-même, à sa mission et à ses valeurs. Alors ne manquez pas ça jusqu'au 3 septembre prochain, et on aura une belle semaine en perspective. Parlons de demain. Pourquoi? Parce que c'est une journée spéciale. C'est la rentrée des classes. Est-ce qu'il fera beau pour la rentrée des classes? Bien, regardez cet anticyclone qui surplombe le Québec et qui amène du beau temps. Alors oui, aujourd'hui, il fait beau. Demain, il fera beau aussi. Des températures très confortables. On retourne dans les normales saisonnières à partir de lundi. Et le soleil sera au rendez-vous. Regardez, jusqu'à 12 heures de soleil pour Montréal, pour Québec. Bref, une belle journée pour jouer dans la cour d'école. Les températures seront quand même assez fraîches demain matin. Alors, si vous devez habiller vos enfants, peut-être qu'un petit manteau serait de mise.